In the city of lights. Don't you follow me into the jungle. Eh bien, salut à tous, c'est Lespiné. Aujourd'hui, on se retrouve sur... Devinez, on est sur... On est sur BF1. Eh non, on est sur Titanfall 2. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve donc pour une petite game. On va voir qu'est-ce que ça donne. Alors, je vous fais une très courte vidéo. Car après, bon... Après, je dois partir, en fin de compte. J'essaye. J'essaye un petit peu de vous montrer le jeu. Voilà, là on est en point clé amplifié. Vous avez tué? Ouais, j'en ai tué. J'en ai tué deux. Oh! Ok, on est spoté donc on se casse très légèrement. Donc, comment on fait là pour glisser comme ça? Donc c'est une nouveauté qui vient d'apparaître donc le 28 octobre et bon j'ai fait juste une petite game juste avant pour voir où j'allais un petit peu. Mais ouais c'est vraiment très très semblable au Titanfall 1 mais il y a des petits ajouts qui sont vraiment très intéressants comme le grappin que je viens d'utiliser. Le grappin. Ah, dommage. J'ai un peu chié mon truc, mais c'est vrai que l'arme elle bouge un peu beaucoup trop. Mais ouais, il y a beaucoup de trucs semblables au Titanfall 2. Enfin, moi je m'y perds pas du tout. On va attendre un petit peu pour le titan que je vous montre un peu de. Un peu à pied. Là par exemple si on reste longtemps près d'un point après l'avoir capturé, il s'amplifie. Alors j'ai pas très bien compris qu'est-ce que c'est, mais je pense qu'on gagne. On gagne des points. What? Oh merde, on peut pas passer. On gagne de l'XP je pense. On va attendre un peu. C'est bon, on a pris assez cher. Des trucs vraiment très très sympas. Mais en tout cas, je kiffe le... Je kiffe le côté un peu futuriste. Oula, il s'est fait complètement atomiser. GG. Par contre, je sais pas si on peut réparer encore le titan. Aucune idée. Je crois pas qu'on peut les réparer. Non. On peut se casser. Alors. Voilà, je vais vous montrer un peu le titan. Moi, c'est ce que je préfère quand même dans Titanfall. C'est un peu le... Ah, j'ai plus le grappin. J'ai plus le grappin. Ah si je... Ah c'est quand on vise trop loin en fait. Ah oui. What? Il doit avoir un truc de charge je pense. Bon on va le faire apparaître ici. What? Il y avait un trou au-dessus tout à l'heure ou il est passé... ou alors je l'ai fait spawner pile poil là où il y avait un trou au-dessus. Bizarre quand même. Bon, le titan, c'est vraiment comme sur Titanfall 1. Ah oui, je suis à 60 FPS. Un petit peu moins des fois. Ah oui, merde, 58 là. Bon, ben. Peut-être pas une bonne idée par là quand même. J'ai l'impression qu'on...
Oh, on passe. Bon, on va passer par là, tant pis. On va jouer le jeu. Nous sommes devant, mais de peu. Accélérez. Comment on fait pour s'éjecter? Auto-destruction. Je veux bien, mais comment on fait pour s'éjecter? Merde, comment on fait? Je sais pas comment on fait. Je sais, merde, c'est quoi la touche pour s'éjecter? Activer, changer d'arme, je sais pas, bon. Vous avez dû le voir, mais bon, j'ai pas vu. Il s'est mis accroupi tout seul, je sais pas pourquoi. Loupé. Ah! C'est moi qui me suis tiré mon canon. Ah non, c'est lui. D'accord. J'ai eu peur, je croyais que je m'étais auto-suicidé. Capture ennemi point B. Arme amplifiée, quoi. Ah oui, il y a ce truc, c'est vrai. On active quelque chose et du coup je suis mort. On active quelque chose, ouais, et après on a notre arme qui est amplifiée, ouais. C'est pas mal. Bon, notre mort, c'est sympa, mais... Ok, il y a un titan ennemi. Alors j'essaie juste... On gagne, mais d'un rien, d'une aire. Dommage. Ouh, ouh, pop-up. Dommage. Bon, c'était vraiment pas mal en tout cas. Épilogue. Et là, ouais, c'est comme sur le 1. Il faut s'enfuir. Qui est là-bas, ouais. Alors, je sais pas trop par où on passe. Par là. Bon, mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, cette découverte. Sur ce, moi, ouais, faut que j'y aille en tout cas. Je vous laisse. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à m'interagir dans l'espace commentaire. Je vous ferai sûrement d'autres vidéos. Et je vous laisse. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Lespiné. Ciao à tous.